Mesdames et messieurs, bonsoir. Votre téléjournal de la semaine. معنا السي يوسف عزيز زيان. L'événement de la semaine a été sans conteste la visite effectuée par nos amis les anciens élèves du lycée Mustapha Ferouki de Miliana, du 7 au 10 avril 2018, couronnée par la signature de la convention d'échange et de partenariat entre les deux associations AAECB et ALMF lors de la cérémonie d'ouverture tenue au sein du lycée des Frères Lamrani de Batna le 8 avril 2018. Voici le texte intégral de l'allocution d'ouverture de la rencontre des associations des anciens élèves des lycées Bamboulaïd et Ferouki prononcée par M. Ferhat Tahassin, président de l'association des anciens élèves du collège de Batna. Monsieur le directeur du lycée des Frères Lamrani de Batna, représentant de Monsieur le directeur de l'éducation de la Wilaya de Batna. Monsieur le président de l'association des anciens élèves du lycée Mustapha Ferouki de Miliana. Mesdames les anciennes élèves du lycée Mohamed Abdou de Miliana. Messieurs les anciens élèves du lycée Mustapha Ferouki de Miliana. Monsieur le responsable du Croissant Rouge algérien à Batna. Mesdames, messieurs, chers camarades. Je me dois de remercier Monsieur le directeur du lycée des Frères Lamrani qui nous accueille en ce moment dans cet édifice qui continue à dévoiler une tranche vitale, des générations d'élèves, de professeurs et de dirigeants qui s'y sont succédés pour faire rayonner le savoir et la connaissance. Mesdames et messieurs les anciennes et anciens élèves des lycées Mustapha Ferouki et Mohamed Abdou de Miliana, au nom de l'association des anciens élèves du collège de Batna, je tiens à vous remercier pour avoir répondu à notre invitation et avoir effectué un si long trajet pour nous témoigner votre amitié certaine et raffermir nos liens de fraternité, qui ont toujours constitué une part importante de notre héritage patrimonial commun.
Nous allons, dans quelques instants, parapher et signer une convention d'échange et de partenariat entre nos deux associations. Cette expérience, la première du genre en Algérie, sera, à n'en point douter, la feuille de route que nous formalisons et que nous léguons aux générations montantes et aux associations similaires de notre cher pays. Nous espérons, quant à nous, que ces rencontres d'échanges et de partenariats puissent perdurer et emporter l'adhésion grandissante de nouvelles associations d'anciens élèves. Nous avons déjà affirmé, lors de notre dernier voyage à Miliana, que nos vaillants Chouada, les deux Mustapha Bamboulaïde et Ferouki, ont intercédé dans l'au-delà pour que telle amitié puisse voir le jour et sceller un lien indéfectible de fraternité entre nos deux régions d'où culminent les monts des Aurès et du Zakhar. Je me réjouis aujourd'hui de constater que votre déplacement à Batna va sceller, et j'en suis convaincu, une symbiose entre nos deux régions à travers nos richesses culturelles spécifiques véhiculées par de grands artistes du pays, les deux Youssef Azaïzia et Boukene Tesh. Anciens élèves respectifs des lycées Mustapha Ferouki de Miliana et Mostefa Bamboulaïd de Batna. Je vous remercie pour votre attention. Pour accueillir ces invités, l'Association des anciens élèves du Collège de Batna a déroulé un riche programme étalé sur 4 jours du 7 au 10 avril 2018. La première journée pour l'accueil et l'hébergement. La deuxième journée visite des balcons de Roufi et cérémonie d'ouverture et signature de la convention d'échange et de partenariat avec l'association des anciens élèves du lycée Mustapha Ferouki de Miliana. La troisième journée consacrée aux activités culturelles présentées par nos amis de Miliana et gala musical animé par les chanteurs Youssef Boukantesh de Batna et Youssef Azaïzia de Miliana couronné par la prestation d'une troupe Rahaba de Chemora. La quatrième journée visite des ruines de Timga des fins de la rencontre à 14h.
Nadir Belbari, ça vous dit quelque chose? Eh bien, il a été un brillant élève au lycée Bamboulaïd et a obtenu son bac lettres de fort belle manière puisqu'il a eu la meilleure note de français en Algérie en 1965, date à laquelle il nous a quittés et qu'on a eu la surprise de le revoir 53 ans après lors de son passage à Batna le 9 avril 2018. J'ai enseigné, enfin je ne veux pas me vanter, mais disons j'ai parcouru, mais le contact avec Batna était toujours là, toujours vivant, et c'est pour ça que je ne sais pas ce qui s'est passé, mais quelque chose a fait que les racines m'ont rappelé, et je suis revenu. Et actuellement, je suis, même si ma famille vit à l'étranger, je suis en Algérie. J'essaie d'apporter ma modeste contribution à essayer d'organiser certains secteurs, à mettre en place des systèmes d'information qui sont, à mon sens, les vecteurs de base pour le développement. Quand j'étais jeune, évidemment, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai connu des gens dont je garde un bon souvenir, des gens qui sont plus des nôtres. Je me souviens, par exemple, des frères Guédil, là où se trouve la maison de mes parents, qui sont décédés pendant la Révolution. Et je dois tellement à ce pays que je ne peux pas m'empêcher d'y être encore attaché, de mettre toutes mes énergies pour faire en sorte que les choses avancent. J'ai vécu à l'étranger, j'ai vécu dans des pays développés, et je me dis, mais en fait, qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? Sinon qu'ils aiment leur pays, nous l'aimons aussi, et il faut qu'on travaille encore davantage pour apporter notre contribution. En tout cas, je vous remercie de l'invitation, et ça fait vraiment un grand plaisir. Et si je peux aider d'une façon ou d'une autre cette association, je suis disponible, j'ai une société qui fait de l'informatique, donc si je pouvais, je ne sais pas, aider à fournir un site web, l'alimenter, je ne sais pas trop, en tout cas, je suis totalement disponible, je suis batnéen jusqu'au fond de mes racines, et je le respecte toujours jusqu'à ma mort. J'ai vu tout à l'heure des personnes. De Midianam. De Midianam. Ça fait plaisir. Youssef Boukantesh, dit Youssef El Batni, appelé également par ses proches Rachid, est né dans l'un des quartiers populaires de Batna pendant les années 50. Tout jeune, il débute dans l'émission El Anoua Shabab ainsi que dans les fêtes de mariage. Il a fait plusieurs albums et a chanté plusieurs fois à la radio et télévision algérienne durant les années 80. Il a eu beaucoup de succès auprès des jeunes grâce à sa voix. Youssef chante dans le style musique andalouse, Maelouf, Badoui, Aouzi. Malgré sa longue éclipse sur la scène médiatique, il a participé à la Journée nationale de musique universelle à la Maison de la Culture de Batna en 2014. Il a participé également à la 6e édition du Festival national culturel de la musique et de la chanson Amazigh à Tamanrasset en 2013. Enfin, Youssef est un ancien élève du lycée Bamboulaïd de Batna et faisait partie de la troupe musicale du lycée avec laquelle il a fait sa première scène en tant que chanteur à l'âge de 11 ans. Bon, c'est Youssef Boukhentesh, artiste bien qu'on n'a pas. Il faut que j'enlève les lunettes comme ça. Ça voilà. Fait plus poli. Voilà. Hein. Bon, maintenant je les remets. Donc on n'a pas besoin de présenter, c'est un artiste, c'est en même temps un ancien élève du collège, du lycée. Non, attends, on est tisane, hein? Ouais. Ouais. Tisane, ça fait vieux, hein? Donc c'est un ancien élève du lycée Bamboulaïd de Batna. 64-65. Voilà, ah. Donc je te laisse la parole, c'est Youssef. Alors, si vous voulez dire quelque chose, on a rappelé un peu la chose, le passage au lycée, etc. Quand on a dit que c'est un nom, Allah yirahmo. Et c'est Ahmed Ben Nouji, il est là. Ah, sahbi. C'était vraiment éducatif. C'était autre chose. On a. On est trop nostalgique. Et à force de... Peut-être entre nous, ça passe, mais les gens, il me semble que... Enfin, surtout les jeunes d'aujourd'hui n'aiment pas trop qu'on ressasse. Il était une fois. Donc, je suis très content d'être parmi vous. Et c'est une association
que je connais déjà. Et enfin, c'est un plaisir, quoi. Je ne trouve pas quoi rajouter. Ben, je suis content d'être parmi vous et peut-être devenir un sympathisant de l'association des un anciens. Adhérent, moi, je un adhérent, un adhérent. Ah, ouais. De plein droit. Non, parce que je vous ai parlé tout à l'heure de l'association qu'on est en train de faire. Donc, je ne sais pas, légalement, bon, nous ne sommes pas tellement, enfin, nous sommes légalistes quelque part, mais je ne sais pas si c'est sur le plan de la loi, et on peut chevaucher, ou là, hein. Ah, là, je veux, de toute façon, un sympathisant peut être adhérent pratiquement, sans lettre sur papier. Hein. Donc, je suis très content. Et voilà. Si je pense que vous avez quelques souvenirs du lycée Bembolet. Est-ce que j'ai quelques souvenirs? Oh, j'en ai tellement que ça se mélange. Les bons et les mauvais. Eh ben, le meilleur de mes souvenirs du lycée Bembolé, le lycée l'ancien, je dirais que c'est ma première scène en tant que chanteur. Je l'ai faite au lycée Bembolé. Voilà. C'était en 65. Voilà. J'avais 11 ans. Voilà. Ma première scène en tant que chanteur avec le groupe, bon, c'était un peu Playboys, un peu Zahar Hajtib, Hmoudi Hlalat, Fasla, il y avait avec Fasla, parce qu'il y avait ceux qui étaient déjà du lycéens, et les extras comme Hajtib, etc. Et c'était ma première scène au lycée de Moulet. C'était la première fois que je montais sur scène et que je chantais devant un public. C'était la fois où on vous a hué. Non, pas du tout, au contraire. J'avais 11 ans. Et les gens sont, surtout ceux d'avant, les gens de cette époque, étaient beaucoup plus attirés par les jeunes gens, parce que tout ce qui est, tous ceux qui sont jeunes, on a toujours l'espoir que ce soit un enfant prodigue ou la prodige. Ouais. C'est comme le Hanoi Shabab. Quand vous êtes jeune, vous êtes beaucoup. José Lito. Oui, on disait José Lito, la José Lito, on l'a dit pour Ben Hissine. Oui. Tout le monde oublie. Le fameux Rachid Mounir. Rachid Mounir. On l'appelait aussi José Lito qui il chantait très bien. Bon, il chante encore, hein, je pense. Oui, certainement. On attribuait ce prénom, là, ce nom, référence au fameux petit, au gosse qui jouait, qu'on voyait dans les films espagnols d'antan. Et qui avait vraiment une. José Lito voulait dire qu'on avait une belle voix. Est-ce qu'il y a un mauvais souvenir? Les mauvais souvenirs. Il vaut mieux les oublier, les mauvais souvenirs. Oui, certainement. Certainement, mais je ne me souviens pas. Est-ce que la troupe Saad a compté, non? Oui, la troupe. Bon, j'ai commencé d'abord avec Beja, ensuite, j'ai rejoint la troupe parce que je voulais peut-être, à l'époque, je voulais peut-être évoluer, c'est-à-dire que là, il y avait de l'acoustique, du traditionnel, et ça, là, il y avait la batterie, il y avait les guitares électriques, etc. Donc, je sais pas. Mais je suis parti vers Saada pour, pour faire un peu plus moderne. Pour s'épanouir. Oui, enfin, on s'épanouit, qu'il s'agisse de traditionnel. Quel que soit. Bon, mais bon, Saada, j'ai beaucoup évolué dans le Saada, puisque j'étais le chanteur principal,
J'avais mes chansons, j'avais aussi les chansons des autres, ouais. C'est-à-dire les gens qui ont fait la musique algérienne spécialement. Et Saad a été spécialisé dans tout ce qui était Chaabi, Roubi, ouais. Bon, il faisait un peu bon, tout ce qui est Kabyle, Chaoui, etc. Ouais. Batna est connu pour ça, parce que Batna est une ville, en principe, de diversité, ouais. Non pas de différence. Ouais. On en parlait tout à l'heure avec... C'est une ville où le Chaoui a apporté, bon, le pays, c'est le pays Chaoui. Ouais. Mais Batna est une ville, c'est une ville où le Chaoui a apporté ce qu'il avait, le Kabyle kif-kif, le Jijli kif-kif, Soufi, le Mzarbi, ça a donné quelque chose de formidable, ce qui fait que, comment se fait-il que vous ayez du goût pour le Chaabi, Ziri, l'Andalousi, et justement les gens ne savent pas qu'à la base, Il y a des gens qui sont venus d'un peu partout et chacun a ramené ses habits, son manger, son parler et sa musique aussi. Et Youssef actuel, c'est quoi? Youssef actuel, c'est Youssef... Araka Batna ou Alger ou Je suis entre... je fais l'ascenseur, c'est-à-dire je monte à Batna, je descends à Alger, mais je suis beaucoup plus à Batna qu'à Alger. Je suis beaucoup plus en haut qu'au niveau de la mer. Et bon, est-ce qu'il y a des projets? Ah ben oui, j'ai déjà beaucoup de projets. Ouais. J'en ai déjà quelques-uns qui dorment. Bon, on ne va pas c'est-à-dire rentrer dans le détail parce qu'on va s'éparpiller. Ouais. J'ai composé une fresque que j'ai appelée l'onde bleue, le Mouj Azrak, c'est-à-dire que c'est une fresque qui parle en musique du pourtour méditerranéen, c'est-à-dire l'onde bleue, c'est bleu, c'est la mer Méditerranée, et tous les pays qui sont autour. Donc à chaque pays, j'ai donné une musique, j'ai composé une musique de entre 3, 4, 5 minutes. Et bien sûr, la part du lion, c'est de l'Algérie où il y a du Bédoui, Warani, il y a du Kabyle, du Chaoui, du Tergui, du Melouf, etc. C'est un projet qui dort. C'est un projet qui dort, je l'ai présenté déjà. Donc, et j'ai beaucoup de projets, j'ai un projet de Melouf. Eh bien oui, nous avons quand même des artistes, des musiciens, nous avons des studios à Batna, même s'ils sont petits, mais les gens qui y travaillent font de grandes choses. Donc j'ai déjà des enregistrements que j'ai effectués il y a 2 ou 3 mois, et je suis sur la lancée pour faire du Melouf. J'ai déjà fait du Chaoui. À mon goût, quoi. Ouais. C'est-à-dire le Chaoui en tango, en cha-cha, en rumba, etc., ouais. En classique, pour un peu faire la différence entre ce qui se joue normalement, enfin, non pas pour faire la différence, mais pour faire la diversité. Ouais. La différence et la diversité. Non, c'est, c'est différent. Ouais. Voilà. Et donc, un dernier mot peut-être à ce qu'il y a. Eh bien, encore une fois, je réitère, je me répète, je suis vraiment très, très content, très, très honoré, quoi. Très à l'aise. Ben, bien sûr. Parce que je me retrouve un peu, et je retrouve un peu le. La nostalgie du c'est passé. La nostalgie, non, des camarades. L'esprit, il y a quelque chose qui tourne là, que je sens, et qui me rappelle. C'est-à-dire, le head de l'association a dit, dès qu'on rentre ici, on retrouve ses 15 ans. Et voilà, et c'est déjà comme ça. Voilà. Tout le monde qui rentre ici retrouve ses 15 ans, 16 ans, 17 ans. Retrouve sa jeunesse. Voilà. أنا دوك أنا يشوبيك دوك ماشي يشوبيك هاك أنا يشوبيك يوسف بخنتاش تاع الليسي فوالا فوالا الحصول دونك
on remercie ici Youssef et on espère le revoir un peu plus souvent à Andena. Ah, oui, et puis, Nathalie, nous sommes très honorés de vous recevoir et de continuer à maintenir le contact. Bah, oui, j'espère. Voilà, voilà. Yatek Saha. Barakallahu fikoum. Zaïzia est né le 12 avril 1962 à Miliana. Il a toujours été soutenu par ses proches depuis son plus jeune âge. Son dernier produit est essentiellement composé de chansons écrites et composées par Cheikh Mohamed Cherchali. Son voisin Sid Ahmed, lui, avait proposé l'unique chanson de son album intitulé Miliana, Bladina Bezeik. 14 chansons aux différents rythmes sont magistralement exécutées par le docteur Youssef. Eh oui, l'aigle royal du Zakar, qui se déclare foncièrement Hachemaoui, est médecin et exerce toujours à l'hôpital de Miliana. Il fait partie de l'association musicale Edziria de Miliana. Grâce à un père musicien, Youssef Fazaïzia a ainsi vécu dans une ambiance de musique, il avait appris le solfège et des musiques de tous les styles. En fait, c'est la musique andalouse qu'il a forgée. Son fils Abdelkader est un musicien en herbe au sein de l'association Edziria, sur les traces de son père. Manassi Youssef Azaïzia, le chanteur qui n'est plus à présenter, qui nous est venu de Midiana. Et on profite de son passage justement à Batna, aujourd'hui parmi nous, pour lui poser quelques questions. Si Youssef, d'abord présentez-vous. Youssef Azaïzia, je suis médecin, chef de service de la prévention, chanteur, président de l'association syrienne Andalusia, l'Imadine Tmeliana. وكما يقولوا احنا نشكروا جمعيه قدماء الثانويه تاع بن بولعيد باتنا واللي رحبوا بينا وكان واحد كما نقول لك الحفاوه واحد الاستضافه نشكركم بزاف على هذا وانا بالك نقول انا نقول لي بالك ان شاء الله احنا نكونوا فال تاع خير لهذا لا كونفونسيون اللي درتوها انصومبل وسينيتوها انصومبل ان شاء الله احنا نكونوا غير ان بتي بوكي دو فلور كي كي ساجوت ان مايون ان مايون سا سرا ان مايون و شكركم على هذه الاستضافه الله غير الكرم اللي عندكم
وان شاء الله تبقى هذه العلاقات تبقى هذه كما يقولوا حنايا يبقاو دائما ترجوا لينا المليانه ونزيدوا نبقاو دائما بالاتصال ان شاء الله ونشكركم سي يوسف وزت انونسي انا تو دي سي فروخي وي وي دونك رابليني ان بو فوتر بون الباساج تاعي سيتي دو 79 à 82 جي مون باك 82 جي في ما ميديسين ا اورون تخرجت في 88 كان ذاك الوقت 6 ans d'études والحمد لله بقيت تكزيرسي في ميانا جي في بتيت سبيسياليتي سور لي مالادي انفيكسيوز جي درتها 2005 à 2008 à اورون toujours j'ai eu l'occasion de rencontrer mes professeurs c'était des éminents professeurs كانوا معايا والحمد لله واللي سي فروخي كيما نقول لك ديت معاه جاي لا شونس جاي لا شونس باش ندي كوب دالجيري باسكيت مع شيخ مجرد ديت كوب دالجيري اون 77 كوب دالجيري لا بروميير فوا اللي داها شيخ مجرد معنا سيتي لوكازيون معنا وين انايا جاي لا شونس بكل شونس 77 في الليسي باش ندير لك شغل جيتي ان بون جوار وخذت نلعب في الكلوب ديال مليانا سيتي مون انترينر لونجريت اي ما ريكوبيري درني مع ليكيب باسكو كنت قريب ندخل الليسي Et il m'a récupéré et j'ai eu la chance d'avoir une Coupe d'Algérie à lycée Ferrouchi. Donc c'est votre rapport avec les études, maintenant votre rapport avec la musique. La musique, en fait, j'ai appris à Mesogri parce que mon père était musicien, mon frère, c'était un professeur de musique, c'était une famille qui est musicien, c'est-à-dire que j'ai fait un milieu de la musique, mon cousin était chanteur, alors que j'ai fait un milieu de la musique. J'ai commencé par l'harmonica, ensuite la guitare, un peu de chansons modernes. J'ai chanté un peu beaucoup de modernes. Même, c'est-à-dire, l'un des chansons de théorie en moderne. Bon, bon, j'aime beaucoup la musique andalousie. J'ai découvert la musique andalousie, mais sorry. Ou le bad shabi, parce que, sachant que la musique andalouse, c'est la base. Donc la base, parce que l'Andalus, il dérive où le Sha'bi, le Haouzi ou l'Arabi. Le Haouzi ou l'Arabi ou le Sha'bi. Donc il sort où l'Andalus. Mais la base, les noubats, les 24 noubats, nous avons 12 noubats kamila ou 16 noubats en compte, c'est-à-dire 4 qui sont restés naqsin. Ça fait 16 noubats. Et les autres, ils ont fait un peu de recherche pour qu'ils puissent récupérer. Et ces 24 noubats, à la salle, il dit à la salle les 24 heures. كل نوبة عندها وقت معين باغ اكزومبل كيما نقولوا نوبة المايا عندها وقت تاعها مع 3 4 تاع الصباح نوبة الغريب مع الغروب الشمس كان عندها دوك اوتوماتيكمون كل نوبة عندها علاقة مع الساعة تاعها الوقت تاعها وكنت نحب الموسيقى والحمد لله كوننا جمعية الزيرية الأندلسية زورية سميت زيرية نسبة لأبو الفتح الصنهاجي بن الزيري الذي أعاد تأسيس مدينة مليانة في 1972 دونك سميناها الزيرية ماشي الزيرية الزيرية نسبة لابن الزيري هذه كما قال صدي في لاشوت دو كرونادو 1492 فماك وين كاين جاو الأندلسيين وكذا منا صدي العرب تاعنا كي كانوا في الأندلس ومن بعد الحمد لله حنا كاين هما راحوا أماكن كيما مليانه باسكو العلالي كانوا يختاروا العلالي باش كيف كيفاش يقراوا كيما الطليعه بتاعيا كيما وكان كيقول لك الحضاره حنايا ساتير الموسيقى تاع بديت بها في لاباس والشعبي خدمت كيما يقولوا وليت كي نغني يقول لك علاش بيك الوابي بحال شي سيد نخدم غدا تاعي باش نخرج من الديفيرونسي لا ديفيرونسي باسكو الخانه تاع الصوت ما تنجمش تغيرها لا كان تشبه ما تيميتيش صدير الانسان ما يميتيش يكون عنده اون باز يكون عنده اون باز في الطبوعات باسكو كاين طبوعات كاين كيما كاين الغريب والسحري والزيدان دونك كي يكون عندك اون باز ما تنجمش تيميتي مي الصوت خطا تيكون يشبه وباش تكون تخرج من هذاك وحنايا اللي ما ترتاوعنا قالوا ب 6 متر الحاج العنقى 6 متر ندو من عندهم الحاج العنقى والعنقيس هذوك ندو من عندهم الشيخ طه فرقاني ودينا من عندهم دونك سي دي ماتر هذو سي دي ريفيرونس ما نجموش ما ندوش من عندهم بصح الانسان لازم يخرج الطابع تاعو يبقى سبيسيفيسيتي باش يكون عنده سبيسيفيسيتي تاعو كي يسمعوه هذا هذاك اللي تسجلت 3 سي دي سي يوسف فوتر ميساج لا بوبولاسيون دو باتنا الاولى نقولوا ما نحبكم لانك ورامه بزاف وكيما يقولوا شنو نقول لهم ان شاء الله
نبقاو دائما نديروا كما يقول لك هذه مليانه وباتنا يكون عندنا علاقه حميمه ان شاء الله نبقى دائما كيما هاك وفي توجور لي بيان فينو نقول لهم صحباتنا كل اهل باتنا سون لي بيان فينو جينو ويجوا لنا لديورنا ان شاء الله تجوا لنا ان شاء الله بروشين فوا للدار عندنا ان شاء الله هكذاك تكون كاينه خير من لوتيل ان شاء الله ان شاء الله مالا غنيو باتنا بلادي نبغي باتنا بلادي نبغي اليوم انا ندير لكم بيت سيربريز استخبار في السيكه ان شاء الله يعجبكم ان شاء الله احنا احنا كيما نقولوا نسيو نديروا واش سي مالوريزمون جي با بو تجيب كاع الاوركست تاعي وي سادير ان شاء الله كيما يقولوا عندي لو كرون اوركست اونطالو فيه 30 ميوزيسيان وعندي لو كرون اوركست شعبي فيه 8 ميوزيسيان احنا جينا خمسه سون لي تروا ان شاء الله بالقلب ان شاء الله تكمل تسخن كيما يقول ان شاء الله ميرسي بيان شكرا ميرسي صح تري جونتي صح ان شاء الله كنت جبل وراس العالي العالي جبل وراس العالي العالي سلامي ليك مسكر العالي Voilà, nous arrivons au terme de notre journal. Nous vous remercions pour votre attention et vous donnons rendez-vous à jeudi prochain, Inch'Allah.